À défaut de vraies pistes, on a quand même réussi à se planter au deuxième rond-point. Du coup, on fait gaffe. Et on profite du paysage. Ça y est, encore en saviste. On a un professionnel. Ouais, au moins. C'est bon. C'est une illusion d'optique, il va pas plus vite que nous. Hein. Maroc, Algérie, les montagnes algériennes. Allez, hop, on va pédaler un peu. Et ici pour réparer, ça va être galère. Mais c'est quand même super sympa en vrai. Ah, c'est beau. Amar, si tu nous entends, c'est pour toi. On est dans un OED, on est à 0,7 bar de pression. Faut pas qu'on se prenne le moindre caillou. Hein. Une journée parfaite en fait. On était à 20 km de la fin et on vient de perdre la boîte. La grosse flaque là, c'est de l'huile de boîte. C'est bon là? Ouais. Donc il nous ramène à la maison à 20 km.
Bon, maintenant c'est les mécanos qui ont un problème. La piste est magnifique, certes, mais piégeuse. On salue le Tajine, de près. Petit blocage sur les montées. Tempête de sable qui arrive sur nous là, enfin, une sorte de vague, de tornade. Bon, là en voiture on a plus l'effet du vent et du sable, mais dès qu'on ouvre la fenêtre ou qu'on est dehors, c'est l'apocalypse. C'est vraiment chaud. En fait, c'est juste du vent en fait, sauf que comme il y a du sable de partout, ben ça fouette le visage, ça rentre de partout, c'est très désagréable. Et puis là, on a les locaux, les mecs, limite, ils sentent rien, quoi. Allez. On est dans la mer de sable, mais on voit rien du tout. Ouais, mer de sable, désert de sable, désert tempête de sable. On voit pas à 2 mètres. Ah, c'est un peu soleil, c'est ouf. Ah non, mais là, maintenant, c'est mieux. C'est très impressionnant. Ah, on voyait pas à 2 mètres, juste avant. Ouais. Et maintenant, on a un peu plus de visibilité, mais c'est pas on voit une 105 qui est en train d'arriver sur le campement. D'ailleurs, on doit essayer de m'en rire. Bon bateau, c'est une 205 et ça semble. Et voilà notre camp, on vient de nulle part. Merci, en plein milieu de la mer de sable. Dégonflage éphémère parce qu'il y a quand même un peu de sable, c'est très dommage de se planter. Et le paysage est fabuleux. Les dunes de chez Yaya où Cyprien va se faire son premier trip en dune. La pression des pneus là est à 0,3 bar. Les pneus sont bien écrasés et ça avance sur le sable. Faut pas prendre de cailloux. Allez. Voilà, c'est bien, attention. Voilà, bien joué. Allez. Vas-y, super, et là, à Watt.
est sur la piste du Dakar. Et celle-ci est Matoula. Ouais. Et elle est matérialisée par les petits plots de terre. Des grosses bulles de terre que vous voyez là. Tentative de démontage de la plaque de protection. Ça a pris un peu cher. Et je sais pas si on s'aperçoit, mais la forme de la plaque est pas tout à fait. Ouais, elle était pliée. Elle est pliée tout là. Maintenant, elle est toute plate. Du coup, on va taper dessus. Travail en finesse. Et voilà, une plaque toute neuve. Avec une forme confiée aérodynamiquement. Ta balise, est-ce qu'elle. Elle marche. Elle marche. Ouais, c'est le compteur qui marche. Plus. Itinéravis. Non. Moi j'ai pas l'autoroute à main droite là. Non, est-ce qu'on a une, est-ce qu'on a une gueule à Itinéravis, sérieusement? Non. Et voilà. Allez les gars, bravo. Et là, du coup, on est parti pour l'étape marathon. 3 jours en autonomie. Et l'idée, c'est de se rapprocher au plus propre, plus proche, pardon, du véhicule, je sais pas, on va dire, en tête, non ? Kilométrage de... Bon, on va, en fait, c'est un peu l'auto, mais ça va être sympa. Merci. Merci bien. Nous avons établi notre bivouac pour la nuit. Une mouche qui m'emmerde. La petite voiture, bah, du coup on a explosé un autre pneu. Je sais pas trop comment, mais vraiment mort. Et voilà la fine équipe. Mais c'est pas bon. C'est hallucinant en fait, on se dirige vers la mer, ouais. On a passé le col, ouais. Et on est passé de chaud, très chaud, ah bah oui. À très doux, froid presque. Très impressionnant.
Ah, Agadir. Qu'est-ce que c'est beau. On fait des magnifiques, des Champs-Élysées d'Agadir. Ouais. Ou pas. Mais bon, quoi. On est arrivé. Ce soir, on dort à l'hôtel. Après, on va pouvoir prendre une vraie douche. Des bras, ils se sont cramés du coup, au niveau de la direction, on n'était pas bien. C'est n'importe quoi. Comme ça. Alors, vous avez devant vous et qui marche le plus jeune copilote et un petit peu pilote sur la plage. Effectivement, il a pris sa première leçon de conduite, Nils, 13 ans, qui a fait l'aventure avec son père. Et là, on est arrivé à Agadir. C'est l'énorme grande ville balnéaire. C'est pas super, super cool, mais. Mais on est arrivé à la fin du raid. Et ça, c'est chouette. C'était costaud, mais c'était cool. Ouais, franchement, c'était bien. Petite chambre pour deux. Mais petite vue, pas dégueulasse.